École pour îi salut pe toți cei prezenți și în sala virtuală, dar și în sala, în incinta bibliotecei Târgoviște. Și ședința noastră de astăzi are un atelier mai specific cu o denumire în limba franceză. Și invitații noștri de astăzi sunt că putem face și un share pe ecran, în afară de coordonatoarea Carolina Dodu Savka, doctor conferențiar universitar, decana Facultății Litere ULIM, colorat este foarte frumos, e coperta evenimentului nostru de pe pagina de Facebook, și Rodica Coțaga, master, Universitatea Ex-Marseille, mulțumesc, profesoară Alianța da, în franceză, ca limba străină, Alianța Franceză din Moldova, n-am făcut repetiții, dar m-am hazardat să prezint eu și doamna Prus, doctor habilitat, profesor universitar, prorector proiecte ULIM, bine v-ați alipit la noi și salut aici prezența studentelor de la Facultatea de Litere, traducere, specialitate traducere și interpretare, Catedra Filologie Romanică Petru Roșca, ele sunt în sală, prezent. Bonjour. Bonjour. Da, vă mulțumesc și voiam să țin, pentru că sunt studente, mai sunt și elevi în sală, să zic cu ce se ocupă serviciul Ecolectură. E un schimb de cunoștințe socioculturale, geoistorice, interculturale, interdisciplinare și transdisciplinare pentru promovarea literaturii în toată diversitatea ei. E un serviciu de cultură și recreere și până acum ce am avut noi, am pus în circuit mari opere, am explorat și proiectat în viața profesională, dar și în viața de zi cu zi, am avut invitați distinși scriitori din literatura basarabiană. Iar acum pasez un microfon virtual coordonatoarei acestui serviciu și să începem atelierul literar. Mulțumesc. Je passe au conseil immédiatement puisque cette fois-ci nous sommes là pour célébrer la francophonie, même si c'est le 1er avril. Aujourd'hui, ce n'est plus le mois de la francophonie, puisque le mois de la francophonie, c'est le mois de mars, comme vous le savez bien. Mais nous avons choisi cette fin de semaine, puisque pour nous, bien, on a ignoré un peu le calendrier francophone et on a pensé à cette semaine francophone pour célébrer les lectures francophones et pour avoir un atelier avec un auteur francophone en tête d'affiche, c'est écriture et exil ou exil et écriture, Paul Woma. Et pour l'intro, le mot de salut institutionnel et pas seulement institutionnel, mais de la part de l'Université Libre Internationale, j'invite Madame Elena Pousse, docteur d'État, professeure des universités, vice-rectrice pour les projets de l'Université Libre Internationale. Elle va nous dire un mot de salut, mais bien sûr un mot dédié à notre auteur. Et puis, je passerai la parole à Madame Rodica Coțaga, qui est master de l'Université d'Aix-Marseille et le professeur FLE, français comme langue étrangère, en l'Alliance française de Moldavie. Madame la vice-rectrice, vous avez la parole. Distingués invités, distingués organisateurs de l'événement, je vous salue. Et je vous félicite pour cette initiative
pour la continuité de vos événements que je suis, donc qui sont un plus important que les autres. Donc, c'est très important d'avoir des faits qui sont reconnaissables dans le profil actuel des bibliothèques. Et vous avez bien choisi ce nom et ce profil de écolittérature, donc une littérature vitale, vitale qui nous donne donc des idées pour ce qui est aujourd'hui santé morale, conscience morale et normalité. Je dois dire que le mois de francophonie nous a offert plusieurs occasions donc, de nous rencontrer. Je suis très heureuse de saluer ici non seulement les distinguées représentantes de la bibliothèque, de la faculté, mais aussi de partenaires des universités, partenaires de Aix-en-Marseille. Et avec cette occasion, je veux dire que je transmets ainsi, je peux ainsi transmettre une estafette de l'université de Suceava, où nous avons aussi présenté nos livres, derniers livres qui sont parus en des auteurs de Ulim, qui sont parus au Canada. Et là, nous avons eu parmi ceux qui ont parlé aussi des représentants de l'université Aix-en-Marseille et notamment Madame Estelle Vario. Donc, ça fait plaisir. Voilà, nous avons eu aussi un très grand ici annonce de ce webinaire qui s'est passé. Donc, et je me réjouis que la francophonie a un tel écho dans tout le monde et que sans nous mettre d'accord, nous nous sommes réunis sous presque les mêmes institutions et toujours sur des idées bien portantes et bien importantes. Je dois dire que le sujet que vous avez pour aujourd'hui choisi est particulièrement important et pertinent pour la République de Moldova, car Paul Goma est un nom plus qu'emblématique pour nous tous. Elle représente et symbolise la force de résistance de nous tous et surtout de ceux qui écrivent, surtout sur ceux qui créent et sur ceux qui ont du courage. Donc, mon invitation dans cet atelier particulièrement peut être particulièrement intéressant pour le fait que, étant membre de l'Union des écrivains de Moldavie, de Roumanie, j'ai participé avec mes collègues de comité de l'Union des écrivains de Moldavie à ainsi dit argument pour l'attribution du prix Nobel à Paul Goma. On ne peut pas dire M. Paul Goma parce que M. Paul Goma est mort, donc, mais à tel moment, donc, quand il était encore vivant, en 2013, nous avons élaboré un argument à l'Union des écrivains pour qu'il soit donc, pris dans la liste des candidats pour le prix Nobel. Pour ceci, donc, il faut dire qu'il y a plusieurs écrivains qui sont les dernières années sur cette liste, ainsi par exemple Grégory Viero, Spiridon Vanguele, Nicolae Dabija. Nous n'avons ce prix, il faut le reconnaître, nous n'avons pas ce prix, comme d'ailleurs donc la Roumanie nous l'a depuis longtemps. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des grands auteurs, d'auteurs de grande qualité, de grandes marques. Et c'est très difficile de se mettre déjà dans la circulation, mais c'est important de dire que nous avons de tels écrivains et de telle envergure. Donc, je vais me permettre de vous dire quelques mots, donc, partant de ce mot d'argumentaire donc, de notre comité de l'Union des écrivains, qui nous a permis de placer Paul Goma parmi les plus grandes figures du siècle, parmi les plus grands et importants écrivains qui sont emblématiques pour la conscience, pour la liberté et pour l'écriture libre. Nous avons organisé cet argument donc partant de l'idée que on sait bien que Paul Goma est originaire de la Moldavie en 1944,
très rapidement parti en Roumanie, mais a quitté la Moldavie ainsi, et aussi la Roumanie aussi rapidement que la Moldavie en 1977. Oui, elle a été aussi, a eu un destin très, très particulier. Il a été très, n'oublions que c'était l'époque de totalitarisme, donc il a été harcelé, menacé, arrêté, exclu de l'Union des écrivains de Roumanie, devenant ainsi un proscrit, on peut dire, et en partant pour s'installer définitivement en France en tant qu'exilé politique. Il a eu ce statut d'exilé politique. Ainsi, on peut dire que Paul Goma poursuit toujours cette ligne, ce profil de son activité sous le signe de proteste et de dénonciation. En ce qui concerne l'œuvre de Paul Goma, qui est dramatique, qui est pleine de tourments, elle représente dans son essence profondément humaine aussi un cadre de très large ampleur historique. Elle peut représenter, si on peut dire, donc une radiographie profonde et originale du destin d'un homme dépaysé, déraciné, parti de son pays, arraché avec brutalité de son lieu, de sa matrice originaire, et forcé à supporter toutes les hostilités, les ingratitudes d'un, on peut dire ainsi, permanent refuge. C'est le destin que aussi ont tout, presque tous les personnages de ces romans, qu'ils soient de, que ce soit de romans autobiographiques ou de romans de fiction. On peut dire que on sait que c'est le destin de milliers de Roumains qui subissaient à ce moment donc, était, ce sort hostile dû au fait que nous avons soumis, donc, que nous sommes victimes de ce pacte conclu en 1939 encore entre le pacte de Ribbentrop, donc entre les deux grands totalitarismes donc, de l'histoire, le communisme et le nazisme, dont nous parlons, revenons en parler encore aujourd'hui dans des conditions bien spécifiques. Je ne vais pas développer le sujet, il est beaucoup plus ample, on sait à quoi on fait référence. Qu'est-ce que c'est que le destin d'un écrivain réfugié? Il se reflète toujours dans ses œuvres, bien entendu. Il a toujours un substrat autobiographique. Comme je disais, c'est le cas de Paul Goma dans telle œuvre que Le Calidor, L'art de la fugue, Sabina et autres, ou des livres qui sont les témoins de son univers concentrationnaire où il a passé pas peu de temps sous le régime communiste de type soviétique de Roumanie. Donc ce sont les œuvres « Les tremblements des hommes »,« Les chiens de mort », regardez quel titre, combien elles sont dramatiques, « Elles étaient quatre », Guerla, vous savez, c'est le nom donc, d'une prison très renommée, un des plus avec un régime de plus féroce, disons, dans le cercle, c'est un homme qui est dans le cercle, harcelé, concentré, et la garde inverse, ostinato, ou encore chassé-croisé. Ce qui est important dans toutes ces œuvres, ce qui les unit, c'est que dans toutes les narrations, on peut dire que se trouve l'homme. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'adolescent, que ce soit l'étudiant, le prisonnier. Et devant cet homme toujours et devant les bouleversements de l'histoire, Paul Goma manifeste une seule force de résistance, c'est la volonté de retenir dans ses tentacules d'une mémoire phénoménale, on peut dire, donc tout ce qui lui est arrivé et n'oublier rien. Et n'oubliez rien. De cette façon, son écriture, qui est soutenue d'une conscience aiguë et incorruptible, de la morale, de la vérité, on peut dire qu'incarne une conscience jamais réconciliée avec l'injustice ou l'oppression. Sa position civique exemplaire donc, est toujours à remarquer. C'est un dissident et un militant anticommuniste notoire. C'est ainsi qu'il est entré dans toutes les encyclopédies.
Et bien sûr, on doit parler d'une modalité fondamentale de témoigner devant le tribunal implacable de l'histoire, le sort, le destiné de la Bessarabie et de la Roumanie. Donc, pour présenter l'argument pour le comité Nobel, donc, je vous souligne qu'on a eu trois idées de base. Je vais donc les présenter seulement pour ensuite donc, faire un très court passage des idées principales. Donc, il s'agit de trois idées majeur que nous avons beaucoup voulu souligner dans cet argumentaire. C'est en premier cas le kagoma. Quand nous parlons de Kuma, il y avait un très renommé kagoma. Ça veut dire que c'est une fronde, et non seulement une fronde individuelle, c'est une fronde emblématique des écrivains, mais jamais aucun n'a eu le courage, il faut dire, qu'a eu Paul Goma, parce que Paul Goma est considéré jusqu'à aujourd'hui le seul dissident véritablement qui provient de l'espace roman. Sauf le cas Goma, il y a une notion aussi très importante, donc c'est le mouvement Goma, parce que Goma a généré tout un mouvement. Ça se réfère aussi à la publication, à tout un groupe d'exil littéraire, l'ainsi dit Chartres 77, où il s'est solidarisé avec l'action de Václav Havel, avec les actions des Tchèques, des Slovaques, donc c'est devenu un mouvement international suite à laquelle UNESCO, par exemple, a dénommé Paul Goma Solzhenitsyn roumain. Ainsi, donc, on peut dire et parler d'un proteste contre les formes de l'oppression et pour les droits civils. Et ensuite, dernière notion que j'aimerais donc appuyer, c'est le modèle Goma. Le modèle Goma, parce que son profil moral et culturel illustre bien entendu la dissidence comme mode d'existence. Qu'est-ce que représente et comment est-il resté, comment va-t-il rester dans l'histoire de la littérature? Il va bien sûr rester en tant que homme qui n'a jamais fait de compromis, qui a transgressé les canons, qui a eu, disons, la liberté et le courage d'accuser les autres écrivains roumains pour le fait qu'ils n'ont pas assez lutté pour la défense de la vie sociale et littéraire libre. Et ça aussi, c'est parce qu'il n'a pas été tellement excusé, on sait, il a été expulsé, il n'a pas été toujours très bien regardé, il n'a pas le lieu qu'il mérite peut-être dans la littérature roumaine. Donc, toutes ces choses essentielles qu'on peut cibler sous des emblèmes comme le cas Goma, le mouvement Goma et le modèle Goma, méritent leur place, bien entendu, dans toutes les pages de l'histoire littéraire. Et je veux finir pour vous dire une idée que vous connaissez toutes. Donc, il faut absolument, pour que quelqu'un poursuive, disons, un chemin d'entrée dans le prix Nobel, il faut avoir beaucoup d'œuvres qui soient traduites dans des langues étrangères. Et c'est notamment le cas de Paul Goma, qui a été beaucoup traduit, bien entendu, en français, en anglais, en allemand, en hollandais et dans d'autres langues. Et de plus en plus, ça figure sur son site Paul Goma Free FR et autres. Il y a la page Paul Goma Com. Et je me réjouis énormément pour le fait que nous avons fait cette démarche donc, de la part de l'Union des écrivains en donnant toute l'importance à ce volume, à son message et à mémoire de cet exceptionnel homme libre qui est resté toujours libre de conscience et qu'on a proposé à l'Académie suédoise une candidature ainsi tellement noble et tellement d'une grande ampleur. Je vous remercie. Merci. Nous avons écoutez là, donc, attentivement votre message. Les étudiantes qui sont ici sont toujours à l'écoute
fait, vous écoutez, vous pouvez prendre des notes. Et je vous remercie, Madame la vice-rectrice, docteur d'État, professeure des universités Elena Proops, qui représente l'Université libre internationale de Moldavie. Merci pour votre message. Et maintenant, je passe la parole, mais avant, je voudrais présenter notre invité. C'est, comme j'ai déjà dit, Rodica Kotsaga, et sur son CV, on trouve des informations intéressantes, informations personnelles et professionnelles. J'ai ouvert ce fichier maintenant pour énoncer quelques moments de sa biographie. Elle fait ses études de baccalauréat au lycée pédagogique Mihai Eminescu de Soroca, et elle a fait sa licence en lettres à l'Université d'État Alecuruso de Bălți, spécialité langue et littérature roumaine et langue et littérature française, spécialisation littérature roumaine. Puis elle suit un master en lettres à la même université et son deuxième master, master 2, recherche dans l'ère culturelle roumaine, au département de linguistique comparée de langue romane et roumain à l'Université de Provence, ex-Marseille, et sa soutenance de mémoire a eu lieu le 25 septembre en 2009. Une soutenance très importante et même emblématique. Et vous avez mentionné, Madame Proops, Madame la vice-rectrice, le nom d'Estelle Barrieux. Regardez la couverture, sur la couverture de ce mémoire, un master. C'est le nom d'Estelle Barrieux, qui est le directeur de recherche de Rodica Kotsaga. À l'époque, c'était Rodica Draga. Oui. Ce que je veux dire, s'enchaîne. Oui, oui, vraiment. La théorie des correspondances et le monde des petits, vraiment. Bien sûr, il y a d'autres choses, moments importants, mais ce que je veux mettre en exergue ici, c'est autre activité. Et parmi ces autres activités, je crois que ce sont les têtes d'affiche, vraiment, puisque vous avez été membre du bureau de traduction administrative, technique et littéraire, dirigé par Madame Estelle Barrieux. Et deuxièmement, participation à la table ronde à l'atelier 3 plurilinguisme avec Madame Estelle Barrieux. Et je saute d'autres activités importantes pour vous dire qu'elle a été en collaboration avec l'écrivain roumain exilé à Paris, Paul Goma. C'est-à-dire, ses yeux que j'ai ici sur ma gauche ont regardé, oui, directement les yeux de Paul Goma. Et je crois que ça, c'est une expérience qui vous a marqué et vous a donné un élan, vous a jalonné d'une façon, votre expérience, par vous, vos recherches. Je vous passe la parole. Merci pour votre présence et pour la bienveillance de nous accorder, une heure, 60 minutes, 40 minutes. Moi, au départ, j'ai dit 40 minutes pour nous présenter ce grand écrivain roumain. Nous ne devons pas perdre l'intérêt pour les grands, pour ceux qui ont parlé des choses douloureuses, épineuses, mais il est nécessaire d'en parler et d'y réfléchir encore et encore. Je vous remercie pour votre patience. S'il vous plaît, je vous passe la parole. Si vous avez des questions dans la salle virtuelle ou ici en présentiel, vous pouvez les noter. Si vous voulez, on peut discuter et on discute après. S'il vous plaît. Oui. Bon. Alors, j'ai choisi comme titre « Écriture et exil » ou « Exil et écriture » Paul Goma. Ce titre part d'un dilemme existentiel et général. Au tout début, mon intérêt s'est penché sur la littérature de dissidence. Alors, le choix de Paul Goma a été naturel et évident comme acte
littéraire. Cela m'a amené à découvrir des problématiques de sociologie, comme l'exil, et de théorie littéraire, comme le genre du journal intime. Alors, qui a généré l'autre? Je dirais que voilà, c'est ce dilemme existentiel sur l'œuf et la poule. Qui a été en premier? On entre dans un cercle, et j'espère virtueux. Est-ce que l'exil est survenu à cause de l'écriture, de l'écrivain, ou l'écriture, et en l'occurrence le journal, est dû à l'exil, avec tout ce qu'il suppose? Isolement, dépaysement, nostalgie, chagrin. Ceci étant précisé, j'aimerais présenter les moments essentiels de la vie de l'auteur Paul Goma. Son père, Eufimie Goma, né le 20 janvier 1909 dans le village de Tchoukoltein, dans le district d'Orhei, et sa mère, Maria Popescu, née la même année, 1909, dans le même district à Orhei. Après avoir fait leurs études en pédagogie primaire, ils travaillent comme instituteurs. En 1933, ils ont leur premier enfant qui meurt avant d'avoir atteint l'âge d'un an, puis un deuxième fils né le 2 octobre 1935. C'est Paul Goma, le futur écrivain. Le 28 juin 1940, la Bessarabie est cédée à la Russie. La famille Goma essaie sans succès de trouver un refuge. Ils réussiront à se réfugier en Transylvanie en 1944, au début dans une ville de Sibiu et ensuite dans le village de Bussu, où ses parents ont été engagés comme maîtres d'école. Élève au lycée Gheorghe Lazar de Sibiu en mai 1952, donc à peine 17 ans, Paul Goma est convoqué à la Securitate de Sibiu. Il est retenu pendant 8 jours car il est accusé d'avoir parlé dans la classe des partisans et de tenir un journal intime codé. Alors, ça commence, voilà, à 17 ans, le journal intime. À la rentrée, il apprend qu'il a été renvoyé du lycée et on lui dit qu'il ne peut plus désormais s'inscrire dans aucune école du pays. Cependant, il est accepté au lycée Negrovode de Făgăraș, où il finit le lycée. En 1954, il continue ses études à l'Institut de littérature et de critique littéraire Mihai Eminescu, qui, après, va devenir un département de l'Université de Bucarest. En juin 1956, donc à l'âge de 21 ans, Paul Goma est jugé par ses professeurs au rectorat de l'université à cause de ses opinions antisoviétiques. Il est entre autres chose affirmée lors des séminaires que les Moldaves sont des Roumains, que la langue moldave est une invention des occupants russes, la langue parlée en Bessarabie étant le roumain, une langue d'origine latine. Il a aussi dit que la collectivisation et l'agriculture étaient une erreur économique, que les troupes soviétiques qui se trouvent en Roumanie sont des troupes d'occupation, que la langue russe, ne doit pas être obligatoire dans l'enseignement moldave. Voilà, ce sont des affirmations justes et hélas, comment actuelles, oui, ces affirmations, mais voilà, ces affirmations ont contrarié ces professeurs qui ont accepté sans s'y opposer une fausse réalité et qui ont voulu à leur tour imposer cette réalité aux autres. On le laisse continuer quand même ses études. Cependant, en novembre, après avoir lu au séminaire de création un fragment de roman où il était mis en évidence le désir de s'opposer au régime qui était instauré, il est arrêté sous l'accusation des tentatives d'organisation d'une manifestation hostile. Il passe 2 ans en prison et sort le 21 novembre 1958. À partir de ce moment, là, jusqu'en janvier 1963, Paul Goma va être assigné à résidence sans qu'on lui donne une explication. Il reprend à zéro ses études universitaires, mais va y renoncer en automne 1967. Et comme il le mentionne dans le journal, pour ne rien avoir à perdre, donc pour ne pas faire l'objet de chantage. Voilà. Le 7 août 1968, il se marie avec Anna Maria Navodaru, une ancienne collègue de l'université. Le 22 août, le volume de ses débuts, Camera de Alături, sort dans les librairies. Et 2 ans après, son roman Ușa Noastră, cea de toate zilele, est refusé à l'édition. Il va être
Traduit en français par Alain Parouy sous le titre de Elles étaient quatre et publié aux éditions Gallimard en 1974. Voilà. En octobre 1971, son roman Ostinato est traduit en allemand et exposé à la foire des livres de Francfort. La même année, il est traduit en français chez Gallimard sous le titre de La cellule de Libérable. En juin l'année suivante, il part en voyage et parcourt l'Europe. À Paris, Paul Gomas fait connaissance de Monica Lovinescu, de Virgilio Runca, Eugene Ionescu, Michelea et Emile Cioran. C'est un voyage qui va durer exactement un an. Le 2 novembre 1975, naît l'unique fils de Paul Gomas, Philippe Hieronyme Gomas. Deux ans après, Paul Gomas, avec son épouse et son fils, quitte pour toujours la Roumanie. Dans les trois derniers mois de l'année 1978, Paul Gomas fait un voyage au Canada et aux États-Unis. Ses premiers journaux sont publiés en 1997 à Cluj, chez Nemira. Ce sont journal Peserite, qui couvre la période allant du 9 février 1978 jusqu'à 2 juin 1993, journal de Caldura Mare, l'année 1989, et journal de Notte Lunga, c'est la période comprise entre le 23 septembre et le 31 décembre 1993. Dès ce moment, l'écrivain est ardemment contesté par des hommes de lettres roumains parce qu'il dit des choses qui incommodent ses confrères. Des choses qu'il était préférable d'ignorer ou même d'oublier. Son amie la plus proche, Monica Lovinescu, affirme dans la revue 22 qu'elle est désolée d'avoir connu Paul Gomas et de cette manière met un terme à leur amitié. Très peu de ses collègues l'ont défendu. Les journaux dans l'ordre des années ont continué à être publiés dans des maisons d'édition de Roumanie, comme Dacia, Criterion Publishing ou Anamaro. En 2003, apparaît une première édition de l'essai Săptămâna Roșie, 28 juin-3 juillet 1940, où l'abbé Sarabi et les Juifs, Basarabes et Hébreux, qu'il considère comme essentiel pour l'ensemble de son écriture en tant que témoignage de sa vérité. Mais c'est un essai controversé. Il va revenir à maintes reprises pour détailler, concrétiser, expliquer certaines affirmations et refuter ces nouvelles accusations qui sont portées contre lui, et surtout notamment d'antisémites. Mais cela ne va ni éloigner ni apaiser ces derniers. Il a vécu à Paris jusqu'à la fin de ses jours, n'ayant jamais revenu ni en Roumanie ni en Moldavie. Il a été apatride par choix personnel, à savoir qu'il n'avait pas de nationalité légale. Son statut en France était de réfugié politique. Et voilà, et je dis bien par choix personnel, parce qu'on lui a proposé à plusieurs fois, on l'a invité en Roumanie pour lui rendre la nationalité roumaine, mais il a refusé de participer à toute cette démarche administrative parce qu'il a affirmé que sa nationalité lui a été retirée sans son accord, alors il n'y a pas besoin qu'il aille pour faire toutes ces démarches. Voilà. Et la nationalité française non plus, il ne l'a pas acceptée, mais il aurait pu l'avoir. Et il a préféré rester roumain dans son cœur. Voilà. Bon, il meurt le 24 mars 2020 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris à cause de COVID-19, presque 2 ans après la mort de sa femme chérie, Anna Maria Navodaru, qui a été toujours à ses côtés. Ainsi, Paul Gomas vit son destin d'exilé, son identité se situant entre un ici et un là-bas, son œuvre et son unique patrie. Un univers où les mots français entrent aisément, la langue de son écriture restant toutefois le roumain. Voilà, quelques mots sur l'écrivain et l'exil. Alors, comme je l'ai mentionné déjà, Paul Gomas quitte pour toujours son pays le 20 novembre, une date emblématique, oui, de 1977, et fait partie de la même génération d'exilés roumains que Virgilio Runca, Monica Lovinescu, Bojan Nedeljković. Ce sont les exilés qui ne sont rentrés jamais dans leur pays après leur départ.
d'autres écrivains roumains, ils sont retournés après les années 90, par exemple Dumitru Țepeneag. Au début de son exil, Paul Goma fait la connaissance des exilés de la génération précédente. Il y avait donc un a priori des exilés roumains dans l'espace francophone, une tendance à se tourner naturellement vers la France dans un tel contexte. C'est ainsi que se font des ponts entre deux époques et entre deux générations, l'époque d'entre-deux-guerres et l'époque d'après-guerre, notamment ceaușiste. Donc, Paul Goma connaît à Paris Émile Cioran et Eugène Ionescu. Un autre grand roman vit loin de sa patrie, Mircea Eliade. Néanmoins, l'exil vers la France n'est pas une exclusivité roumaine. En même temps que les Roumains arrivent ici d'autres exilés, notamment écrivains. Par exemple, Nancy Huston du Canada, Milan Kundera de Tchécoslovaquie, Georges Simplon d'Espagne, pour citer quelques exemples, ce qui témoigne de l'attrait de la France. Toutefois, il faut rappeler que l'exil est une expérience unique. Elle peut être perçue comme une délivrance qui procure le bonheur du dépaysement ou bien comme une damnation, ou ce sentiment pesant de nostalgie. Pour Paul Goma, l'exil a plusieurs facettes, généralisant tout au long de sa vie. Il répondit ainsi dans la revue Discovery, qui lui demandait quand il avait constaté pour la première fois qu'il se trouvait en exil. Alors, cette réponse est publiée aussi dans le journal de 2004. Même si je ne connaissais alors c'est un extrait des confessions de Paul Goma. Même si je ne connaissais pas le mot exil, j'ai ressenti l'expatriation après la cession de la Bessarabie, c'est-à-dire après le 28 juin 1940. Je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, sur le moment. Je n'avais pas encore de mémoire, mais ultérieurement, entre la fin juin et le début de juillet 1941, immédiatement après le commencement de la guerre, quand j'ai compris, de la même manière que j'ai compris à mes 5 ans et 8 mois, que nous tous, ma mère, les gens du village et mon père qui a été déporté par les bolcheviks, tous les nôtres, nous avions été transférés dans une autre condition, même si nous n'avions pas quitté la géographie. Après, quand j'ai appris des mots, j'ai compris qu'on pouvait être expatrié, pas comme état, mais comme devenir. Après une action brutale exercée sur toi par le changement de l'identité. Exil signifie expulsion. Or, nous n'avions pas été mis à la porte de notre pays, mais nous étions restés sur place. Il nous était même interdit de partir de là. Et nous sommes devenus deux Roumains, des Soviétiques, et nous ne parlions plus la langue roumaine, mais la moldave. Notre alphabet n'était plus le latin, mais russe, slavon. Notre pays n'était plus la Roumanie, mais l'Union soviétique. C'est une explication de l'exil à partir des faits historiques. C'est aussi une approche d'un événement et sa prise de conscience progressive, ou encore une description de la perception selon l'âge de l'exilé, et même plus, un regard en arrière de l'adulte qui s'explique le phénomène à lui-même, à l'enfant ignorant d'autrefois. En effet, l'exil de Paul Goma commence bien avant qu'il ne franchisse les frontières de son pays, toujours dans son journal, mais cette fois-ci dans une réplique à un article de Mircea Martin sur lui. Paul Goma énumère ses exils. À corriger, il dit, à corriger le nombre des exils. En premier, c'est l'exil sur place dans la Bessarabie occupée par les Russes entre 26 juin 1940 et 22 juin 1941. Deuxièmement, c'est l'exil dans le propre pays, commencé en mars 1944, c'est-à-dire quand il se trouvait en Roumanie. Troisièmement, c'est l'exil de Roumanie, débuté le 20 novembre 1977. Et quatrièmement, c'est l'exil de l'exil, ou l'expulsion de l'exil roumain en 1994 par l'ouvrage de Monica Lovinescu et Virgile Roncar, et de Paul Barbeneagre, qui ne l'ont pas inclus dans cet ouvrage, le nom de Paul Goma. On observe à partir de ce fragment la complexité de l'exil. Il ne suffit pas que chaque parcours de phénomène soit profondément personnel.
Bien plus, chaque exil dans son unicité peut être multiple, acceptant une classification, une chronologie et donc un abord différent pour chacune de ces étapes. La perception même de l'exil change avec l'âge et en fonction de la condition du sujet concerné. L'exil n'est pas toujours extérieur, c'est-à-dire qu'il n'implique pas obligatoirement un déplacement. Il peut être intérieur, provoqué par la perte ou la mutilation de l'identité. L'exilé cherche toujours à trouver sa maison, un coin de sa patrie. Il essaie d'apprivoiser l'inconnu, de découvrir le chez lui, là où il n'est pas. Et alors, il note dans un journal, c'est le journal de 2005, il dit, cette nuit, il a neigé. Tout est blanc, comme chez nous. Où, dit-on, on a eu la bourrasque. L'exil de Paul Goma se dévoile le mieux dans les séjournants, une écriture par laquelle l'auteur aboutit dans sa recherche d'authenticité et qui est un témoignage de ses mouvements extérieurs et de ses pensées intérieures. Bon, je vais continuer. Si on cherchait dans l'histoire de la littérature roumaine les racines du journal, on pourrait les découvrir dans l'écriture des chroniqueurs, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Ecuce, qui ont écrit les Topiseri Moldovei, l'un dans la continuation de l'autre. De loin, ce n'est pas un journal intime, mais l'écriture des faits passés ou contemporains, réalisée dans l'intimité de son auteur et relatée dans un ordre chronologique, le rapproche de la forme du journal. Pour revenir dans l'espace francophone, Pierre Pachet affirme que le genre s'invente sous la plume de Maine de Biron. D'autres diaristes célèbres français sont en particulier Benjamin Constant, Maurice de Guérin, Amiel, Annie Ernaux. Dans l'espace roumain, les journaux intimes commencent à être publiés après les années 90. Un des premiers journaux est celui de Mikhail Sébastien, paru en 1996. Et l'année d'après, Paul Goma débute avec sa série de journaux, suivi par la parution de ceux de Monica Lovinescu, Mariana Shora, Lipuan Stoiciu. Paul Goma définit ses journaux de manière exhaustive, mais très concise, rappelant même plusieurs fois qu'ils sont une sorte de sac de mendiants dans lequel il entre tout. En vérité, le journal de Paul Goma est un embranchement de textes et d'intertextualité. C'est une microstructure dans une macrostructure où les faits de la vie privée s'entremêlent de façon naturelle avec ceux de la vie sociale. Il en ressort que le journal de Paul Goma est le récit de la vie privée de l'écrivain, dont il raconte les visites chez le médecin, ses états d'âme, ses petites occupations quotidiennes, toutes sortes de visites de la part de la famille, des amis, des étudiants. L'exposition des rêves dans les journaux est un exemple de récit privé dans le récit. Fréquemment, la narration du quotidien commence avec celle d'un rêve nocturne qui va expliquer le cheminement des réflexions de l'état de veille. Du côté de la vie sociale, le journal est le lieu d'une riche palette d'intertextualité. On y trouve des lettres, des dialogues épistolaires, des articles, des pièces de dossiers, des questionnaires, des enquêtes et même des extraits d'opinion sur le forum. Dans le temps, le journal va absorber toute l'énergie créatrice et il va devenir le seul lieu et la seule raison de s'exprimer de l'écrivain. L'œuvre va contenir son créateur. Alors, Paul Goma il dit, bien sûr, le journal est en premier un témoignage, mais comment le dire, plus personnel que les autres témoignages personnels. Enfin, un plus libre, au moins parce qu'on l'écrit sans respecter quelques formules architectoniques. Là est le charme du journal. Il est à la forme d'un journal, jour après jour, page après page. Le journal vrai, mais pas aussi intéressant, lisible, est le produit d'un robinet oublié, ouvert ou cassé. De lui coule l'eau et de la confession très intime avec la pensée en permanence au lecteur et ne s'arrête, ça veut dire que Paul Goma parle de l'eau sur le papier qu'au moment où le journalier s'arrête de vivre. Il décède parce qu'avant, aucune chance. L'écriture du journal est l'ultime activité de l'écrivain. Ses derniers souffles, l'âme qui quitte le corps. Voilà. Et ça fait partie du journal de 2003.
C'est la raison pour laquelle la publication des journaux a suscité beaucoup de critiques et de protestations. L'on a vu s'élever tout un mouvement anti-Goma, surtout après la publication des trois premiers journaux. Beaucoup des amis l'ont renié, mettant fin à toute communication avec l'auteur. D'autres l'ont attaqué ouvertement dans la presse romaine. À son tour, Paul Goma a dû s'expliquer, se définir, se défendre. La réponse qu'il a faite à l'une de ses attaques indique aussi son sentiment profond vis-à-vis de toutes ces accusations. Il dit, mon journal, peut-être, il est brutal, violent, parfois avec des exagérations, mais j'exagère seulement les vérités. Et voilà, ça fait partie du journal, le journal d'un journal. Ainsi, le journal sort du concept classique du genre. Il n'est pas uniquement un journal intime. L'intimité s'entremêlant de manière souvent inégale avec la vie sociale. Sa situation de dissident, puis son isolement dans le contexte général d'une époque contemporaine douloureuse et troublée. L'écriture devient donc alors pour Paul Goma un chemin dans la quête de la vérité par les questions qu'elle pose et les bouleversements qu'elle suscite. S'il y a des questions, on peut s'arrêter là et puis continuer. Sinon, on peut continuer. Oui, voilà. Oui, Madame la vice-rectrice, merci pour votre intérêt et pour le fait que vous êtes encore avec nous. Je suis très contente d'avoir vu une opinion de l'autre côté, disons, comment se voit Paul Goma, non seulement de Moldavie, mais aussi de France, avec quelques point complémentaire. Et, puisque j'ai entendu là-bas des informations qui pourraient être bien intéressantes, j'ai voulu demander notamment une précision concernant la collaboration de Paul Goma avec Pau Barbenagre. Pau Barbenagre est un des très grands metteurs en scène, peut-être moins connu chez nous, mais éblouissant. Donc, la qualité des films qu'il a fait sur, par exemple, Louis XIV ou autre. Donc, c'est un nom aussi qui vient de Roumanie, Paul Barbenagre, mais qui a fait des choses exceptionnelles. Donc, en France, on connaît la qualité des films produits là-bas. Donc, je serais très intéressant s'il a eu une collaboration particulière avec Paul Goma et en quoi ça consistait. Est-ce qu'elle a pu faire des reportages? Est-ce qu'elle a pu faire un film quelconque sur Paul Goma? Ça serait relevant parce que Paul Barbenagre est devenu lui-même un nom très emblématique et ça serait intéressant de voir comment deux exposants de très haut niveau ont collaboré. Merci. Et plus précisément sur une éventuelle collaboration entre Paul Goma et Paul Barbenagre, je ne connais pas trop de détails ici, mais le nom de Paul Barbenagre a été cité par Paul Goma quand il a énuméré ses exils. L'exil sur place, l'exil dans le propre pays, l'exil de Roumanie et après l'exil de l'exil. Quand il a été, et avec bien sûr les guillemets de rigueur, ou l'expulsion de l'exil roumain. Et il mentionne ici l'ouvrage, je pense que c'est un ouvrage collectif de Monica Lovinescu, de Virgile Runca et de Paul Barbenagre. Et c'est une citation qui fait partie du journal de 1999, publié chez l'édition Criterion Publishing. Voilà, et c'est ça que je peux dire sur ça. C'est ces précisions que je peux apporter. Merci, c'est bien intéressant. C'est bien intéressant de les savoir déjà en connexion. Et je vais moi-même aussi m'intéresser parce que Paul Barbenagre, c'est quelqu'un de vraiment qui a vu donc, les grandes figures de l'histoire française sous une lumière très particulière, a été beaucoup apprécié en France. Et donc, s'il a des matériaux sur ceux qui proviennent de Roumanie ou de Moldavie, ça pourrait être un repère très intéressant pour nous. Merci encore pour cette notation. Merci. Et pour votre très, très intéressante intervention. C'est précieux.
Merci. Merci pour cette question. S'il vous plaît, il y a encore Christina Cotulescu et il y a encore Natalia Ciopanpati, si je vois bien, puisque l'écran est à une certaine distance de nous. Si vous voulez poser des questions, si vous avez des questions, oui ou non? Oui, j'aimerais vous saluer. Ça fait longtemps, effectivement. Rodica, salut. C'est très intéressant et précieux, comme Madame la vice-rectrice vient de mentionner. Paul Goma a été une personnalité. Ses œuvres m'ont toujours passionnée. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de venir avec vous. Mais désolée, là, je dois courir. Dans 10 minutes, je commence un cours. Vous terminez aussi, je pense. Non? Au revoir. Ça dépend, oui, merci. Pas de commentaires, ça a été utile et enrichissant. Je n'ai pas de commentaires. Mais ça suffit. Un commentaire, une question, un encouragement, tout ce qui vient de l'autre part de l'écran, pour nous, c'est important parce qu'on filme les ateliers. Voilà, et nous avons un public qui est derrière l'écran. Vous ne les voyez pas, mais les étudiants francophones, c'est-à-dire les nôtres de l'ULIM, sont ici, derrière l'écran, et elle nous écoute. Oui, alors bon cours à vous, Madame Cucerescu et Madame Ciopanpatic, si vous voulez nous saluer, dire quelque chose, sinon il y aurait un autre moment vers la fin. C'est à vous de décider. Voilà, on continue? Oui, j'ai aussi. D'autres choses à dire sur je continue sur les journaux. Oui, oui. La découverte du journal pour mieux d'expression littéraire se réalise pour l'écrivain Paul Goma à l'âge de la maturité. Le journal lui-même se profile alors comme une autre étape de création à la suite de l'époque des romans. Il s'avère que bien souvent les romans ont un caractère autobiographique et que par conséquent il contient en germe les journaux. Ce moi central et ce vécu de moi qui est prédominant marque l'authenticité du récit. Des voix dans la presse littéraire roumaine ont affirmé qu'après avoir raconté toutes les époques avec les événements essentiels de sa vie dans les romans, Paul Goma n'a plus rien à dire en tant qu'écrivain. Cette opinion n'a été qu'un jugement erroné qui est contredit par les faits. Paul Goma revient de temps en temps au genre du roman, même à l'époque du journal, mais sans en abandonner le principe. Le roman de cette période garde la forme du journal, les chapitres ayant pour titre la date du déroulement de l'action. Par exemple, l'action du roman Profil bas se déroule entre le 2 octobre et le 31 décembre 2000. Le roman La Bessarabie entre le 11 juin et le 29 juin 2001 et Le vieil homme et la fille entre le 2 et le 27 octobre 2002. Mais l'auteur revient vite au journal et il note ses remords. Il dit « Je suis revenu au journal chez mon épouse légitime, chez ma camarade de vie, celle qui souffre, se fâche, me gronde, mais me re-reçoit. Mon journal magnanime. » Voilà. Et pour ce qui est de la structure des journaux, si on veut dénommer un texte par un tissu, comme à l'origine du latin textus, tissu du texte retissé, il est nécessaire de faire ce travail d'observation et d'analyse qui suppose en quelque sorte le faire d'abstraction, de la décoration et de juger l'assemblage du contenu. Ou si l'on veut chercher d'autres métaphores, on peut dire que l'écrivain est un architecte du papier, et que son texte se construit autour d'une armature bien solide. J'essaie de faire une étude détaillée des journaux de Paul Goma sur plusieurs niveaux. Premièrement, on peut parler d'une microstructure, c'est-à-dire la construction du discours diariste au long d'une journée. Ici même, on remarque deux types de discours. Le discours personnel, situé en première partie du récit et qui expose l'intimité de l'écrivain. Ici, Paul Goma note ses rêves, son état de santé, son moral. Il raconte les visites chez le médecin, le temps qu'il fait dehors, le jardinage sur son petit balcon, sur lequel poussent tous les arômes de son pays, même la livèche. Moi, si je peux faire ici une petite parenthèse,
En lui rendant une visite, il m'a demandé si je peux trouver de Marseille de l'Ardèche pour la lui apporter à Paris parce qu'il avait des difficultés à trouver la l'Ardèche à Paris. Et une traduction pour l'Ardèche, c'est l'Ardèche. Voilà. Et la deuxième partie de ce récit journalier, c'est l'intertexte. Il est caractérisé par une diversité de thèmes et de formes. D'ailleurs, je l'avais mentionné, des lettres, articles de journal, annonces, invitations, documents, transcriptions. Deuxièmement, on relève une structure épisodique. Ce sont des préoccupations qui marquent un segment de la vie de l'auteur. Par exemple, le travail sur l'essai Certainement à Rocher en 2004 ou la polémique entre Liviu Stoïc et Nicolae Emanuelescu en 2005. Troisièmement, on découvre une macro-structure qui est une construction cyclique du journal. Certains jours dans l'année ont marqué Paul Goma et chaque année, il rappelle ses dates mémorables. Par exemple, les dates personnelles, l'arrestation, l'assignation à domicile, l'exclusion de l'union des écrivains, l'exil, la perte de la citoyenneté roumaine. Autre chose, c'est les fêtes de famille, les anniversaires, les jours des saints, dont ses proches ou lui portent le nom Saint-Paul, Sainte-Marie, l'anniversaire de son mariage, le rappel des anniversaires de ses parents, et aussi les fêtes de l'année, Pâques, Noël, Nouvel An. Ce qui est intéressant aussi à étudier dans les journaux de Paul Goma, c'est les jeux avec les mots. Pour l'auteur des journaux Paul Goma, l'écriture n'est pas seulement un espace de mnémoses et de témoignages. Le plus souvent, ce sont des souvenirs et des constats durs et rudes à faire. Heureusement, l'écrivain ne manque pas d'optimisme. La preuve étant que son écriture a un côté ludique. Il aime jouer avec les mots et manipuler son langage. Pour lui, les mots sont de la matière première qui après peut se transformer et prendre des formes inattendues. L'auteur se dégage de toute contrainte lexicale ou grammaticale. Ainsi, un mot peut être modelé comme de la terre cuite dans des dizaines de formes. Un ouvrage inédit parmi les autres, c'est Alphabet Cheddar, et construit par cette technique de création, devenant ainsi un pôle concentrant toutes ses habiletés de langue. Il est à remarquer que le titre même du livre est un jeu de mots. C'est une agglutination des mots alphabet et abécédaire. Le livre est publié à Bucarest en 2004. Il contient un péritexte, la notice variante très, très, très raccourcie. Une première édition étant plus longue avec approximativement plus de 20 000 mots. Dans la mise en garde du livre, Paul Goma prévient son lecteur que l'auteur de l'alphabécédaire sera content de savoir que la millième partie du total est de quelques 33 000 mots nouveaux, dérivés de presque 1000 vieux mots, sera acceptable, pourquoi pas amusante. Une particularité importante du journal de Paul Goma et de son œuvre en général est la difficulté, presque l'impossibilité de traduire certaines de ses formules de style, ce qui lui donne toute sa spécificité. L'auteur transforme les mots, leur ajoutant des suffixes inhabituels, modifiant les noms propres en noms communs du point de vue fonctionnel, amalgamant plusieurs mots en un seul. C'est là où l'auteur devient créateur et qu'il joue avec les mots. C'est là où l'auteur reste à la base roumain en métamorphosant sa langue et en profitant de sa malléabilité. Et l'écrivain en a conscience à partir d'un dérivé populaire du mot « télévision »,« tempelezor ». L'auteur fait la remarque, terme auquel j'aurais apporté ma contribution si ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot « tempelezor » est issu de l'union de deux mots, la racine du mot d'origine turque « tembel », qui signifie « indifférent, lié ou idiot », et la racine du mot « télévisor »,« télévision ». Forme isor sans la lettre du début de la syllabe V. Ces deux mots ont un noyau commun. Les deux voyelles TE pour le mot tembel et la racine et pour le mot téléviseur un préfixe. Ce qui a favorisé ce jeu. Cette recréation du mot lui a donné une double signification. Il dénomme à la fois l'objet et la particularité de l'objet, le fait de le regarder niaisement, sans implication et sans réfléchir.
et j'arrive aux conclusions. Le journal est une écriture personnelle, une photographie de famille n'étant destinée à la publication qu'a posteriori. Il contient moi dispersé dans les mentions journalières qui doit aboutir à l'image d'un moi entier. Après une analyse de ce moi gaubien, nous avons observé que même là où le diariste était censé se retirer de l'extérieur pour s'intérioriser, il garde les voies de la communication entre lui et le monde ouvert. Plusieurs questions le traversent en lien avec la littérature. La valeur du journal, la sincérité dans le journal et d'autres sont liées au moi et à sa relation avec la société. C'est un moi qui extrait ses sujets et ses énergies de l'extérieur et qui s'intéresse au monde dans lequel il vit. Merci. Merci à vous. Merci. C'était très intéressant et j'espère que cette constatation, ce constat, ce n'est pas le mien, mais ça vient de la part de tout le monde. Si vous avez des questions, vous pensez que c'est une littérature, c'est quelqu'un de très complexe, grand, gigantesque, ouais, peut-être difficile et ont peur. Comment, voilà, raccourcir cette distance entre un grand écrivain avec un style qui s'impose, qui vient avaler presque tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut lire, comprendre, et raccourcir cette distance entre la première année, entre les étudiantes qui débutent dans les lectures francophones, qui font leur premier pas, et un grand écrivain. Comment s'y faire connaître, quelle voie choisir? La voie royale. pour connaître un grand écrivain, c'est bien sûr la lecture. Moi, par exemple, tout au début, en étant étudiante à Bulls, j'ai été intéressée par la littérature, les écrivains dissidents. J'ai bien sûr lu avec beaucoup de passion et d'intérêt les romans de Paul Gauguin. Je me rappelle, il y avait Sabina, L'art de la fugue. Et après, ça a continué vers les journaux. Et après, j'ai fait mes études à l'université de Provence et on m'a dit, mais ça a été comme ça, comme une révélation, mais pourquoi tu es en France? Et lors d'une visite à Paris, des amis avec lesquels j'étais, on m'a dit, mais tu es à Paris et tu écris sur Paul Gauguin, tu dois le connaître. Tu dois le connaître, mais moi, je suis très timide. je suis très timide. Et ses amis m'ont dit, on trouve le numéro de Paul Gauguin et tu l'appelles. Moi, je dis, mais moi, appeler Paul Gauguin, non, je ne peux pas. Il dit, mais tu peux. Alors, je l'ai appelé. Il m'a répondu. C'était novembre 2007. Et Paul Gauguin m'a dit, qu'il était enchanté, mais il m'a dit, malheureusement, ça fait déjà 2 ans qu'il refuse toute visite d'autres personnes à cause de son état de santé. Et alors, ce que je cherchais, c'était bien sûr le connaître, mais aussi les journaux pour pouvoir accomplir mon travail sur la mémoire. Et lors d'une autre visite, alors j'ai pris contact avec des Moldaves, deux sœurs qui viennent de Căușeni et qui ont été beaucoup en contact avec lui et qui avaient ses journaux. Il m'a dit cherche-les et ils vont t'emprunter ces livres. Je les cherchais, j'ai commencé à travailler et après. Paul Gauguin, il a dit qu'il est d'accord pour me transmettre ses livres avec l'autographe, son autographe. Et c'était le 2 octobre 2008. Je suis allée avec cette fille qui a été beaucoup longtemps en correspondance avec lui. Elle s'appelle Violetta Gritska. Je la remercie. Elle m'a beaucoup aidée.
le 2 octobre, nous avons pris un bouquet de fleurs, un grand bouquet de fleurs. Nous sommes allés dans le quartier de Belleville où habitait Paul Goma. Et c'est Anna Maria Navodal, c'est Anna Maria, son épouse, qui est sortie avec les journaux qui me les avait transmis. Nous avons transmis les fleurs pour Paul Goma. Et après, nous avons commencé à avoir une correspondance par mail. Et Paul Goma m'a demandé, parce qu'il avait des enregistrements audio sur son site, qu'il voulait les publier. Il m'a demandé si je n'aimerais pas les transcrire. Moi, j'ai dit, bien sûr, je veux les transcrire. Comme ça, j'ai commencé à transcrire ces enregistrements. Et voilà, j'ai eu l'occasion après, j'ai été acceptée à lui rendre visite. Dans son quartier de Belleville, j'ai fait 3 visites qui voilà, sont restées dans ma mémoire. Et c'est pour ça, c'est pour ce fait-là que je suis venue aujourd'hui ici, parce que c'est dommage de ne pas partager cette expérience et surtout de parler de la mémoire de ce grand écrivain, Paul Goma. Quoique ici, une petite parenthèse, il a dit qu'il ne veut pas être nommé, qu'on dise de lui qu'il était un écrivain. Il a dit qu'il veut être. C'est un auteur de texte. À la place d'écrivain, auteur de texte. J'ai remarqué la date, le 2 octobre, oui, le 2 octobre. Oui, parce que c'est mémorable. C'est, déjà pour vous, c'est une journée historique, tout au long de cette journée. Je le vois tout en couleur. Oui. C'est une expérience et bien sûr, c'est une mémoire très vive. N'est-ce pas? C'est passé vite. Ça fait. Oui. Si vous avez des questions, Madame la vice-rectrice, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, non, des commentaires. J'ai seulement des appréciations parce que s'approcher des grands esprits, ça veut dire déjà s'approcher des grands problèmes. Donc, de le partager. Et aujourd'hui, je félicite aussi la bibliothèque de le faire savoir à nous tous, parce qu'il n'y a pas de nom plus emblématique, trop emblématique, qui est originaire de Moldavie, qui soit tellement important en France. Donc, le courage, nous voyons aujourd'hui combien il est important pour une nation. Donc, ce sont des noms qui tiennent la verticale de notre identité. C'est ça le message de Paul Goma. Et je vous félicite encore une fois, les organisatrices de cet événement, donc Madame Jouk et Madame Dodo Safka, donc, d'avoir cette idée et d'avoir trouvé une si convenable invité pour cet événement. Donc, ça fait plaisir de s'associer et d'avoir pour la francophonie des choses véritablement importantes et qui ne doivent pas sortir de notre champ d'attention. Merci encore parce que ça me fait aussi nous remettre nos idées à l'actualité. Donc, tout ce que nous arrive aujourd'hui à nos côtés en Ukraine nous parle du fait que Paul Goma, donc tout ce pour quoi elle a lutté et a résisté dans le temps, c'est toujours nécessaire. Merci encore pour cette mémoire des nations. C'est une chose très importante. Félicitations. Combien la francophonie nous fait solidaires avec les grands esprits du monde. Merci, c'est exceptionnel. Merci à vous. Merci. Si vous avez observé, nous avons noté, j'ai invité, donc j'ai fait des signes à nos étudiantes de noter les idées les plus importantes, de trouver un noyau dur de cette réunion. Et je voudrais ici faire une petite synthèse ou un guise de synthèse et de conclusion, de dire que voilà ce que j'ai noté, c'est la complexité de l'exil. Et comme Madame la vice-rectrice vient de le dire, c'est dommage que l'actualité elle nous montre que l'exil, la dissidence et d'autres problèmes complexes et questions épineuses, elles sont toujours actuelles. Et nous devons, vous avez déjà remarqué, nous devons avoir une mémoire
une mémoire historique, une mémoire collective, une mémoire de l'identité culturelle, ainsi bien qu'une mémoire de l'identité personnelle. Et je voudrais réitérer ici la complexité de l'exil qu'on a retrouvé chez Paul Goma. Cette fois, j'ai prononcé à la manière française, mais nous qui savons que ce n'est pas Paul Goma ou que c'est Émile Cioran, on dit Émile Cioran et on ne dit pas Paul Goma. Mais quand on parle en français, on devrait dire Paul Goma et Cioran. Bien, alors c'est l'exil sur place. Et ça, c'est toujours un exil très douloureux. Pour lui, c'était la République de Moldova ici. L'exil dans le propre pays, c'était la Roumanie, le grand pays, oui. L'exil de Roumanie déjà. Et le quatrième exil qui est tellement douloureux lui aussi, il serait très difficile de les situer dans une catégorie. Lequel est le plus douloureux et le plus déchirant? Et le dernier, le quatrième, c'est l'exil de l'exil quand il a été quitté, abandonné par ses amis. C'est un autre exil extrêmement déchirant. Et déjà, là, nous devons penser à cette perception de l'exil. L'exil intérieur, peut-être. Voilà. Ah, oui, mais vous avez mentionné quatre catégories, c'est ça? Et l'exil intérieur, bien sûr. Ce qu'on retrouve dans le journal intime, c'est toujours une forme de l'exil. Et l'exil en littérature, et l'exil dans le texte, et on peut continuer. La liste, elle est bien longue. Et le jeu de mots, puisque les étudiantes suivent une spécialité très difficile, celle de la traduction. Vous avez mentionné qu'il est très difficile de traduire Paul Goma. J'ai voulu dire à cause ou peut-être en vertu de son style, cet amalgame de mots, des jeux de mots, et même de la syntaxe, syntaxe et métasyntaxe. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire sur l'exil. Je vous remercie encore une fois. Et quelle chance pour vous d'avoir un grand thème, de travailler avec une telle directrice, directeur de recherche, je vous rappelle, c'est Madame Estelle Varieux, et d'avoir un tel sujet sur Paul Goma. Oui. Ah, malheureusement, il nous a quitté très vite. J'étais venue en France en 2007 et il est mort en 2008 ou 2009, mais j'ai eu la chance de le connaître. Donc, cet atelier a été in memoriam. Dans la mémoire d'un grand écrivain qu'on ne doit pas oublier, un grand nom, une œuvre réputée, importante, qui a besoin d'un lecteur aujourd'hui et des lectrices. Merci pour votre présence, pour le mot de salut, pour vos interventions, pour votre intérêt et pour votre soutien, Madame la directrice. Et merci à ceux et celles qui étaient avec nous dans la salle virtuelle. Et merci aux étudiantes qui sont venues ici sur place. Et on va continuer les discussions. Donc ici, j'annonce la clôture de notre en ligne, oui, de notre session en ligne. Et déjà avec les étudiantes, on reste sur place pour discuter, débattre, faire une petite deuxième synthèse. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci pour votre invitation. Je salue encore une fois Madame Elena Ungureanu de la section de recherche qui était avec nous. Donc, c'est important de nous tenir ensemble les universités, les bibliothèques, parce qu'une université sans bibliothèque, c'est rien, et une bibliothèque sans ceux qui lisent et qui se penchent sur les livres, c'est aussi un lieu sacré qui a besoin de son public. Félicitations encore une fois et remercions notre invité d'aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Très bonne merci, journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grand merci. Au revoir.